De la houle en baisse et du vent offshore ce matin sur la Cano. Bonjour à toutes et à tous et bon mardi. Un mardi qui commence avec un temps qui est dégagé à voile et une température extérieure fraîche à 13 degrés, une température de l'eau qui est bonne à 19 degrés. Cet après-midi, un temps dégagé, une température à 21 degrés. Nous sommes sur une marée qui est actuellement en train de remonter. Le plein haut est à 13h avec des coefficients petits et landais de 40. Et sur cette marée qui est en train de remonter, le vent est offshore avec un secteur est-sud-est, mais c'est faible, il y a moins d'un beaufort avec un plan d'eau qui est tout lisse. Le drapeau est en berne, les phases de vagues sont lisses, la houle est propre, longue avec 11 secondes de période. Elle a changé d'orientation par rapport à hier. Elle est orientée ouest-nord-ouest à nord-ouest, là vous voyez les grosses séries. Il y a 50-80 cm en déferlement régulier, 1 mètre sur la plupart des séries. Et de temps à autre, il y a un petit mètre 20 qui flirte de ci, de là, et que vous allez revoir en fin de vidéo. Bah, il y a des bouts, il y a de quoi glisser avec cette houle qui rentre un peu nord-ouest par moment sur les séries les moins longues, avec le moins de période, ça fait des vagues comme ça là, qui arrivent à dérouler un peu. Mais quand c'est les séries longues assez ouest-nord-ouest, c'est un peu fermant. Mais bon, il y a des bouts, hein. C'est sympathique, c'est pas la perfection, c'est petit, c'est facile d'accès, pratique pour tout le monde. Il y a déjà beaucoup de monde dans l'eau, sur la plage, sur les parkings. L'évolution pour le reste de la journée, les bancs de sable sont pas fous, hein. Mais bon, il y a des bouts, il y a quand même de quoi glisser. C'est pas incroyable, mais sur les bons bancs, il y a des bouts à attraper. Encore 1m20 là-bas derrière. L'évolution pour le reste de la journée, bah, c'est un train de houle qui va lentement s'amortir. Le vent va passer onshore et pas trop fort. La bouée côtière de Brest est à la baisse à 80 cm et 9 secondes. Les prévisions à 9h, donc c'est 1 mètre, un petit mètre 20, houle ouest-nord-ouest à nord-ouest, 11 secondes de période, vent est-sud-est à moins de 1 beaufort. À 13h, 1 mètre maximum. Houle ouest-nord-ouest à nord-ouest, 11 secondes de période, vent sud-ouest, un beaufort, il est prévu plus fort que cela, mais avec la marée montante, à mon avis, le vent va rester faible. Et à 17h, 80 cm à 1 mètre, ça continue de baisser gentiment, houle ouest-nord-ouest à nord-ouest, qui perd un peu de période, là, 10 secondes de période, avec un vent ouest-nord-ouest à un beaufort. Il y a du surf et de l'action toute la journée, de meilleure qualité ce matin avec le vent offshore. Mais après, avec le vent onshore pas très fort, ça va être surfable jusqu'à la nuit tombée. À la Cano, le prochain point, 11h30. Demande ce qui prend la loi, franchement.